Ce soir, on va parler de géologie. Ah mais attention, pas les petits cailloux sur le sol, pas non plus les gros cailloux qui font des montagnes, mais les énormes cailloux qui coulent et qui sont au cœur de toutes les planètes. Et bien sûr, la planète sur laquelle notre invité travaille, c'est la star de toutes les planètes, peut-être l'unique, notre préférée, la Terre. On va parler de son noyau, de comment elle s'est formée et de ce que l'on sait de son histoire. Et du coup, on va se demander ce que ce gros caillou est, ce qu'il ressemble aux autres gros cailloux qui orbitent autour de notre Soleil et au-delà. Nous sommes le mercredi 2 juin 2021. Vous écoutez l'épisode 450. Bienvenue sur Podcast Science. Et donc, ce soir, nous avons une table un peu partout. Donc, notre invitée, Marine Las-Blaise, depuis Nantes. Oui, bonjour. Alexa, depuis Los Angeles. Salut tout le monde. Pascal, depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Et, une fois n'est pas coutume, une petite tête physique avec Eléa et moi-même, Johan, depuis Paris. Salut. Et donc, ce soir, c'est une émission de type interview, et donc, je laisse la parole à notre amateur géologue, qui est Alexa, qui aimerait bien être géologue, mais qui n'est que biologiste, et qui va donc conduire l'interview ce soir. Écoute, personne n'est parfait. Je suis déjà un peu géologue refoulé, tu vois, donc moi je ne parle pas de si loin. Et justement, puisque on n'a pas des masses de géologie et de géophysique ici, en l'occurrence dans le podcast, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir ce soir, Marine, pour creuser un peu ces questions. Donc tu es chercheuse en géophysique au laboratoire de planétologie et de géodynamique de l'Université de Nantes. Et tu as travaillé sur notamment des thématiques du noyau et de ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Et donc, on est vraiment ravis que tu sois là ce soir pour nous parler un peu plus de tout ça. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, tu es chercheuse en sciences de la Terre et plus précisément, tu t'intéresses à la dynamique interne. Donc, tu vas nous en parler un peu plus de la Terre et parfois même d'autres planètes. Et avant de nous parler de ce qui se passe sous nos pieds, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours et nous dire ce qui t'a amené à devenir chercheuse en géologie, en géophysique? Est-ce que tu as toujours été intéressée par les cailloux, les paysages, la physique, ou est-ce que ça a été progressif? Oui, bonjour. Oui, moi j'ai tendance à dire que je suis chercheuse en physique parce que j'ai fini, on va dire, mon cursus en physique. Mais j'ai un cursus un peu multidisciplinaire. En fait, je savais pas trop ce que je voulais faire et du coup, je me suis dit que je voulais faire toutes les sciences et donc je suis partie en prépa bio après le lycée parce que je me suis dit prépa bio, on fait aussi des maths, de la physique et des sciences de la Terre et de la biologie, donc c'est trop cool, on va tout faire. Et je viens d'une famille qui est pas du tout... Il y a très peu de personnes qui ont fait, on va dire, des études supérieures, ou en tout cas des études au-delà de la licence. Et du coup, je connaissais pas du tout l'université ou comment ça fonctionnait, donc le prépa, ça me semblait très bien. Et en fait, en prépa, il y a une copine qui m'a parlé de l'école normale supérieure et qui m'a dit que là, on pouvait faire de la recherche. Et j'avais aucune idée de ce que c'était. Mais ça m'avait l'air super cool parce qu'on pouvait continuer à apprendre des trucs. Et du coup, j'ai réussi le concours, je suis rentrée à l'ENS. Je me suis rendu compte que la bio, c'était pas ma vie, que j'avais envie de faire des équations. Et du coup, je suis partie en sciences de la Terre et j'ai fini en physique. Et après, j'ai fait une thèse en géophysique. Avec toujours en gros l'idée d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous avec des équations. Et après ma thèse à Lyon, je suis partie à Tokyo pendant 3 ans. Et ça fait 3 ans qu'on est revenu en France avec toute la famille et qu'on est du coup sur Nantes. Voilà. Du coup, j'ai tendance à me présenter comme chercheuse en physique plus que chercheuse en géologie ou en géophysique. Parce que la physique, moi j'utilise la physique pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la Terre. Ouais, donc c'est vraiment multidisciplinaire. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant ce que tu disais sur la BCPST. Et j'ai vu aussi que Eléa hochait la tête furieusement parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, ça a été ça.
Et tu vois, moi, par exemple, j'avais pas du tout, enfin, moi, ma famille, mes parents ont fait des études supérieures, mais ils ont les sciences, l'académique, pas du tout. Je me suis retrouvée aussi en prépa par hasard parce que j'ai mon prof de physique de terminale qui m'avait dit, si tu veux faire de la science, ce serait bien que t'ailles en BCPST. Et après, tu vois, pareil, et que tu pourrais aller à l'ENS. Et donc, c'est un peu, tu vois, un peu pareil. Et c'est, j'aime bien avoir cette idée que on vient pas forcément à la recherche, parce qu'on y a pensé depuis qu'on est gamin, qu'on regardait les étoiles ou les cailloux et qu'on a une illumination, ce qui est une vision qui est souvent donnée quand même. Bah, j'ai pas mal de collègues hein, qui me disent ça, qui me disent que eux, les cailloux, enfin les roches, tout ça, c'était un truc qui les intéressait depuis longtemps. Mon mari fait de la physique et j'ai l'impression que pour lui, c'était plus évident depuis plus jeune. Mais moi, c'est plutôt, j'étais bonne étudiante et du coup, bah, j'ai continué là où c'était un peu le parcours normal. Je me rappelle en prépa bio être allée visiter une école véto parce que en fait je voulais faire vétérinaire quand j'étais jeune. Je suis allée visiter une école véto et je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des chevaux et des animaux et qu'en fait, enfin c'était beaucoup trop appliqué pour moi. Enfin j'ai eu un truc en me disant mais merde en fait si je viens là, en fait je vais vraiment être avec des vraies choses. Ça va pas être juste un papier, un crayon et ça m'a complètement bloqué et du coup j'ai décidé d'arrêter complètement. Mais c'était vraiment le déclic à ce moment-là. Vétérinaire, c'était le truc de gamin. Et en fait, en voyant ce que c'était pour de vrai, je fais, mais non, en fait, enfin, il y a pas moyen, je vais leur faire mal à moi, à ces bestioles-là. Non, mais c'est marrant parce que ça fait vraiment un gros changement. Et du coup, tu nous as parlé de ta thèse et donc, que tu as fait en France d'abord. Et si je ne me trompe pas, tu as travaillé sur la dynamique du noyau interne et de sa relation avec l'histoire chimique et thermique de la Terre. Donc, tu as étudié le noyau qui est la partie la plus profonde de la Terre. Est-ce que tu peux nous expliquer tes travaux et en fait, c'est quoi l'histoire chimique et thermique de la Terre, plus précisément? Alors déjà, il y a la question de c'est quoi le noyau et c'est quoi... alors le noyau interne, en français, on dit plutôt graine que noyau interne. En anglais, on va dire noyau interne. Je sais pas pourquoi en français, on dit graine, mais on utilise le mot graine pour parler de ce qui est au plein centre de la Terre. Donc en fait, la Terre, si on prend d'ici, de là où vous êtes, là, assis, en train d'écouter votre podcast, sous vous, il y a à peu près 3000 km... Enfin, il y a... En gros, entre 20 et 60 km de croûte, donc c'est des roches. Il y a à peu près 3000 km de manteau, donc c'est aussi des roches. Alors, c'est pas exactement les mêmes que la croûte, mais c'est aussi des roches. Et en dessous, il y a une grosse boule qui est du fer liquide avec à l'intérieur une boule de fer solide. Et le noyau interne, ou la graine, c'est la partie solide dans ce noyau. Et en fait, c'est la partie qui cristallise. En gros, c'est la fraction qui a cristallisé, qui s'est solidifiée du noyau externe, donc de la partie qui est liquide depuis la formation de la Terre. Parce que la Terre, en fait, on parle de réchauffement climatique à l'échelle humaine, mais à l'échelle des temps géologiques, la Terre elle perd de l'énergie et du coup, la température à l'intérieur diminue. Et en fait, à cause des effets de pression, à cause des effets de chimique, etc., bah, ce qui cristallise en premier dans le noyau, c'est la partie centrale. Et du coup, on a une boule de 1221 km de rayon qui est au centre de la Terre, qui est du fer solide. Donc au départ, c'était le noyau, il était entièrement liquide, en fait. Au départ, le noyau, a priori, on pense qu'il était entièrement liquide. C'est pas forcément vrai sur toutes les planètes, mais c'est probablement vrai pour la Terre. En fait, de façon un peu rigolote, de passer d'un noyau entièrement liquide à un noyau avec la graine actuelle, c'est diminuer la température dans toute la Terre d'à peu près une centaine de degrés. Donc c'est pas tant que ça, en fait, finalement, d'avoir un noyau, enfin d'avoir une graine solide. Donc qu'on ait une graine actuelle qui soit pas si grosse, mais qui existe dans la Terre, en fait, ça se trouve, c'est plutôt exceptionnel, mais on peut pas... Le truc rigolo, c'est quand même qu'on peut l'observer que pour la Terre. Donc c'est un peu le truc qu'on ne verra jamais sur une autre planète, mais on peut l'observer pour la Terre. Mais du coup, mettre un mot à moi. Donc moi j'ai étudié cette boule-là, et en fait, une des raisons pour laquelle on l'étudie, mais je crois que tu voulais en parler un peu après, c'est on l'étudie parce qu'elle a une structure qui est beaucoup plus compliquée que ce qu'on aurait pu penser au premier abord. En fait, on s'attend à ce qu'elle cristallise petit à petit, donc en fait, un peu comme qu'elle ait un peu une forme d'oignon, que grosso modo, on ait des couches qui cristallisent, qu'elles grossissent, et que la structure à l'intérieur, bah, elle soit relativement simple. Et elle est petite, en fait, parce qu'en volume, c'est 4% du volume de la Terre, donc c'est petit.
même si c'est 1200 km, en fait, par rapport au volume de la Terre, l'effet de la sphère fait que c'est vraiment tout petit. Mais en fait, sa structure, elle est complexe. Et la question, c'est est-ce que de cette structure complexe-là, on peut essayer d'en sortir des informations sur l'histoire passée de la Terre? Et donc, c'est là ta seconde question sur l'histoire thermique et chimique de la Terre. Qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, on essaye de comprendre quelle a été l'évolution du profil de température, donc de comment il fait chaud à l'intérieur, et du profil de composition de la Terre au cours du temps depuis sa formation. La Terre, elle s'est formée en gros par ce qu'on appelle l'accrétion, c'est-à-dire qu'il y a eu des petits blocs alors avant des petits blocs, il y avait des poussières, mais au bout d'un moment, il y avait des blocs suffisamment gros que, en se fracassant les uns contre les autres, au lieu de s'éparpiller, bah ils faisaient des planètes un peu plus grosses. On a des planétésimaux, c'est-à-dire des petites planètes, et après des planètes. Pour la Terre, on pense même que un des derniers événements un peu brutal, ça a été la formation de la Lune, donc l'impact par, en gros, deux corps de taille relativement similaire. Donc en gros, on avait deux corps de la taille de Mars qui sont explosé la gueule, parce que c'est un peu ça, voilà, qui se sont fracassés l'un contre l'autre, et qui, au final, ont formé la Terre et la Lune. Et donc, en fait, ça a donné une condition initiale pour la Terre. Donc, en termes de composition globale, et aussi de profil de composition, c'est-à-dire, est-ce que le fer est plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, par exemple? Et ça a donné aussi condition initiale pour la température, donc pour en gros la quantité de chaleur qui s'est accumulée lors de la formation. Et en fait, on essaye de comprendre comment de cette boule-là qui était a priori peut-être homogène ou peut-être que ce qu'on appelle la différenciation, c'est-à-dire la formation du noyau s'est passée pendant la formation, mais bon, ça c'est peut-être accessoire, mais en tout cas de comprendre comment d'une boule relativement homogène ou avec un noyau, on arrive à la Terre actuelle. Et donc tout ce processus-là, en fait, il implique une évolution thermique et une évolution chimique. Ouais, donc c'est super intéressant. Du coup, si je résume un peu ce que tu as dit, on avait d'abord une Terre qui était non différenciée, formée par l'accrétion de plein de différentes roches. Elle s'est ensuite différenciée en différentes couches au cours du temps. Et quand elle se différencie, elle perd de la chaleur. Et toi, en fait, tu as essayé d'étudier un peu tout ça, comment elle perd de la chaleur et comment toute la différenciation se passe, enfin, au niveau du noyau. Un truc rigolo, rigolo, je sais pas, mais un truc, on connaît relativement bien la structure interne de la Terre par plein d'observations. On connaît la pression au centre de la Terre, c'est-à-dire qu'on peut dire la pression au centre de la Terre, c'est en gigapascal, c'est en centaines de gigapascal, donc c'est beaucoup. Donc c'est très, voilà, faut pas, on peut pas nous aller au centre de la Terre. On connaît bien la pression, on connaît pas du tout la température au centre de la Terre. Alors pas du tout, un petit peu. Mais pas beaucoup, pas du tout, à plus ou moins 1000 ou 2000 Kelvin. Donc plus ou moins 1000 ou 2000 degrés. Ah ouais, quand même. Voilà. Donc c'est pas franchement précis. Et ça, c'est parce que, la température, c'est quelque chose qui est difficile à mesurer quand on n'est pas sur place. On a besoin d'être sur place pour pouvoir mesurer une température. Ou sinon, on a besoin, de modèles. Et en fait, essayer de comprendre l'évolution thermique et chimique de la Terre, c'est aussi ça, c'est aussi de se dire, en fait, peut-être que comme ça, on peut essayer de comprendre quelle est la température actuelle, quelles étaient les températures passées au centre de la Terre. Actuellement, la raison pour laquelle on connaît un petit peu la température au centre de la Terre, c'est justement l'existence de cette graine. Parce que comme on sait qu'il y a, en gros, une zone à la surface de la graine où on coexiste à la fois du solide, du fer solide et du fer liquide, eh ben, ça veut dire que il y a une température fixée là, qui est la température de cristallisation qu'on peut essayer de mesurer en laboratoire. Donc, il y a toute des groupes de personnes dans le monde qui essayent de faire des mesures à très haute pression. Donc, ils prennent deux petits diamants, ils les collent les uns contre les autres et ils appuient dessus pour faire des très hautes pressions au milieu, entre les deux petits diamants. Et ça permet, en fait, de faire des expériences de fusion de roches et de fusion de fer, enfin, de métaux. Et avec ça, on essaye de mesurer les températures de cristallisation. Donc en fait, tu reproduis les conditions qui se passent à la Terre. Ouais, tu essayes de reproduire les conditions. Et c'est un des seuls moyens pour essayer de donner une température pour l'intérieur de la Terre. Ce qui est quand même assez rigolo, quoi, de se dire qu'on connaît la pression super bien, mais la température, pas du tout. Ouais, donc il manque en fait pas mal de paramètres pour vraiment comprendre ce qui se passe, quoi. C'est ça.
Du coup, là, tu nous as un peu parlé d'expériences qu'on peut faire. Alors toi, t'as dit que tu faisais beaucoup de calculs et beaucoup d'équations et beaucoup de modélisation. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que tu as fait comme expérience, entre guillemets, pour faire ça? Par exemple, au labo, dans une semaine type, qu'est-ce que tu faisais? Comment ça se passe? Moi, je fais pas d'expérience, ou je fais des expériences numériques. En gros, je fais tourner des calculs sur des gros ordinateurs. Donc, j'ai deux types de semaines type, on va dire. c'est soit des moments où je vais être en train de vouloir développer des modèles. Et donc, pour développer des modèles, ça veut dire développer des sets d'équations. Et donc, ça veut dire lire beaucoup de papier, un crayon, idéalement un tableau blanc, des Velleda, et puis passer mon temps à essayer de réfléchir à quelle est la chose qu'on veut modéliser. Donc, qu'est-ce qu'on veut essayer d'expliquer? Quelles observations on veut essayer d'expliquer? Et ensuite, essayer de voir quelles sont les équations dont on a besoin pour les expliquer. Et sinon, l'autre grand pan de mon travail, c'est prendre ces équations-là. Et les coder, en fait, essayer de voir comment est-ce qu'on peut les résoudre numériquement, parce qu'en général, c'est pas des équations qu'on peut résoudre à la main. Donc en prépa, on nous fait toujours des équations où en fait, il y a toujours une solution. Quand on fait de la recherche, en fait, les équations qu'on a, souvent, il n'y a pas de solution, ou c'est des solutions qui sont trop compliquées. Et du coup, on a besoin d'aide numérique. Donc on utilise des ordinateurs pour résoudre ces équations et pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et du coup, je passe mon temps à faire l'un ou l'autre. C'est-à-dire, ça peut être aussi, si les équations, on se rend compte qu'elles sont pas numériquement résolvables, peut-être que peut-être qu'il faut que je m'intéresse à autre chose. Et du coup, faut revenir sur les équations. Ou alors, je vais passer des semaines à essayer de débugger un code parce que, il y a un truc qui marche pas et puis ça marche pas et il faut essayer, quoi. Ouais, ça, je pense que dès qu'on code un peu, quelle que soit la thématique, on peut passer des heures à débugger tous ces trucs. Oui, donc en fait, t'as énormément de modélisation, de coding, et en fait, tous ces résultats-là te permettent de d'expliquer ce qui se passe au centre de la Terre et d'en déduire la raison géologique. Voilà. Et du coup, le truc qui m'intéresse à fond sur l'étude de la graine, enfin ce qui m'a vraiment poussé à partir là-dedans et à continuer là-dedans, c'était le côté très multidisciplinaire, parce qu'en fait c'est une communauté. On n'est pas tant que ça dans le monde à étudier la graine, et en fait la communauté est assez petite, mais elle est très multidisciplinaire. Il y a des gens qui vont faire des observations, il y a des gens qui vont faire des observations sismiques, il y a des gens qui vont faire des observations de champ magnétique, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que le noyau terrestre génère le champ magnétique, et du coup on va essayer d'avoir des observations magnétiques. Il y a des gens qui vont faire des observations avec des expériences à haute pression, donc les expériences dans ce qu'on appelle les enclumes à diamants. Il y a des gens qui vont faire des modèles de matériaux à très haute pression et très haute température. Et puis, il y a moi qui essaye de faire la dynamique. Donc, ce que j'utilise, c'est de la mécanique des fluides et en gros la thermodynamique. C'est mes deux gros outils pour essayer de comprendre ce qui se passe, mais d'un point de vue... dynamique. Et toujours avec l'idée de revenir. En gros, on fait des modèles pour essayer d'expliquer les observations. On fait pas des modèles juste dans le vent. Ça sert à rien d'avoir des modèles qui puissent pas être à un moment confrontés à des observations. Oui, parce que comme ça, en les confrontant aux observations, tu peux arranger, voir si ça colle, voir si ça colle pas, si ça colle pas, en déduire quelles sont les différences, l'écart au modèle et ce genre de choses, j'imagine. Bah oui, parce que du coup, comme je disais, donc la température, on la connaît pas. Donc ça pose plein de soucis sur quelles sont les propriétés des matériaux en fait à ces pressions-là. Mais il y a plein d'autres choses qu'on connaît pas. Et en fait, le fer à très haute pression et à très haute température, c'est difficile à fabriquer en laboratoire. Et donc c'est très difficile de connaître leurs propriétés. Et en fait, on se retrouve avec des modèles dynamiques où en fait on a des gammes de paramètres possibles qui sont tellement larges qu'on ne peut pas dire on choisit tel paramètre. On a vraiment besoin d'aller explorer tous ces paramètres-là. Et du coup, après, on a besoin de comparer aux observations pour essayer de voir est-ce qu'on peut contraindre différemment les paramètres physiques des matériaux à ces pressions-là. On va enchaîner sur d'autres la suite. Alors tu nous as dit t'as dit que t'avais continué à travailler là-dessus, que sur la graine, et que c'était une communauté, etc., une petite communauté, et durant tes post-docs justement, t'as, il me semble, étudié les mécanismes de fusion des roches dans la Terre interne. Enfin, t'en as déjà un petit peu parlé, notamment la coexistence solide-liquide. Qu'est-ce que t'as fait de plus en post-doc
que par rapport à ta thèse, comment est-ce que tu as continué vers autre chose? Donc, en général, je rigole en disant non, ma thèse était vraiment sur la graine et sur la dynamique dans la graine. Donc en fait, on pense qu'il y a des mouvements dans la graine et du coup, on essayait de les modéliser. Et je dis toujours que je suis allée un peu plus shallow, un peu moins profond. Donc je suis passée à la surface de la graine. C'est beaucoup moins profond. Et au noyau externe. En fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser plus à l'interaction entre le noyau externe, donc qui est liquide, et la graine. Et aux écoulements qu'on peut générer dans la graine liés à ces interactions-là. En fait, le truc assez incroyable de la graine, enfin, il y a des interactions entre la graine et le noyau externe, donc ils sont tous les deux faits du même matériau. C'est vraiment que la surface de la graine, c'est un endroit qui est en équilibre thermodynamique avec le noyau externe. C'est une surface de cristallisation. Et en fait, à cause de ça, comme c'est une surface de cristallisation de très grande échelle, on a des instabilités qui peuvent se mettre en place. On a des choses qu'on peut modéliser sur les interactions en fait entre le noyau externe et le noyau, du coup la graine solide et le noyau externe qui est liquide. Et ça nous permet d'essayer de modéliser de nouveaux types d'écoulement dans la graine solide. Et ça nous permet aussi de regarder en fait l'histoire thermique du noyau dans son ensemble et de comment est-ce que la cristallisation de la graine est liée au développement d'un champ magnétique. Parce que une des grosses raisons pour laquelle on étudie le noyau, c'est la génération du champ magnétique. Donc peut-être je peux prendre 2 minutes pour parler du champ magnétique, je sais pas si ça paraît... J'allais te poser une question là-dessus, voilà. Et notamment les liens avec la vie et tout, mais vas-y. Du coup, tout le monde sait que, enfin, ou en tout cas tout le monde a déjà vu, je pense, un compas, mince, une boussole. Et du coup, la boussole sur Terre montre le nord. Donc en fait, elle montre le sud magnétique, mais elle montre le nord. Elle nous montre à nous notre nord géographique. En fait, la raison pour laquelle il y a ce champ magnétique, c'est qui est du coup présent partout à la surface de la Terre, mais aussi dans l'espace. Donc le champ magnétique, en fait, il nous protège en partie d'une partie des rayons des effets du soleil. Pour plein de raisons. La raison pour laquelle on a ce champ magnétique, c'est à cause d'écoulements à très grande échelle dans le noyau externe. C'est des écoulements qui sont assez compliqués. C'est ce qu'on appelle l'effet dynamo. En fait, on peut le voir de cette façon-là. C'est on a du coup un liquide qui est un liquide qui peut porter l'électricité. Donc, il peut générer quand on a des mouvements dans ce liquide, on va générer un champ électrique et ce champ électrique va générer un champ magnétique, etc. Et en fait, ce champ magnétique va lui-même générer des écoulements. Et donc, en fait, comme on génère un champ magnétique qui génère des mouvements, qui régénère un champ magnétique, etc., on a une espèce de boucle. Et pour peu que la géométrie soit OK, en fait, cette boucle, elle va être positive. Et donc, on va continuer à générer écoulement et champ magnétique. Mais pour réussir à générer ça, on a besoin on a besoin d'énergie. Et cette énergie-là, elle est liée à l'histoire thermique et chimique du noyau externe, à la fois au flux de chaleur qui va sortir du noyau et aussi à la cristallisation de la graine. Et du coup, c'est comme ça, enfin voilà, on va essayer de regarder ce qui se passe au niveau de la cristallisation de la graine pour essayer de comprendre l'évolution globale du champ magnétique terrestre au cours du temps. D'accord. Mais du coup, il y a un budget de chaleur au début d'une planète et en fait, ça fait que descendre en fait. Enfin, quand il y en a plus, il n'y en a plus quoi. Alors oui et non. Oui, alors on a ce qu'on appelle alors je sais pas comment on le dit en français, heat budget. Ouais, c'est on a une quantité de chaleur initiale. En fait, on a aussi des sources de chaleur. Alors il y en a de moins en moins parce que c'est les sources de chaleur radioactives. Donc au début de l'histoire de la Terre et des planètes, on a beaucoup de sources de chaleur radioactives, ce qui fait que au début, on va rester sur une planète qui est très très chaude. Et petit à petit, les sources de chaleur radioactive, elles vont diminuer, elles vont disparaître parce que toute la radioactivité aurait été dépensée, on va dire. Donc petit à petit, on va avoir moins de sources de chaleur radioactive. Actuellement, les sources de chaleur radioactive, elles sont limitées au manteau. Et en fait, il se trouve que
comme les éléments radioactifs ont tendance à être l'uranium et ces éléments-là, ont tendance à se concentrer dans les liquides. Et donc à chaque fois qu'on va qu'une partie du manteau, donc des roches du manteau, va devenir en partie liquide, ces éléments-là vont venir dans ce liquide-là. Ce liquide-là, il va aller vers la surface et ça va former la croûte. Donc la majeure partie des sources radioactives actuelles sont plutôt dans la croûte. Mais du coup, est-ce que il est possible qu'il y ait une orbite minimale en dessous de laquelle, en final, les étoiles, les planètes soient tellement proches de leur étoile que finalement, en fait, elles se réchauffent? Ou est-ce que non, c'est pas possible, une planète budget son, enfin son évolution thermique est toujours négative à long terme, quoi? L'énergie reçue par le Soleil, elle est vraiment plusieurs ordres de grandeur au-dessus de au-dessus de l'énergie, on va dire, perdue par la planète. Il n'y a pas de chaleur qui va revenir à l'intérieur de la planète. En tout cas, je ne connais pas de mécanisme qui fasse vraiment ça. Par contre, il y a un truc, c'est que quand on rapproche une étoile, ou en tout cas, quand on a une planète très proche de son étoile, il y a plein d'effets de marée. Et les effets de marée, ça va chauffer à fond. Donc, les effets de marée, c'est ça va être de la déformation du corps lié au fait qu'on a les deux corps qui sont vraiment très proches. Donc pour la Lune et la Terre ont des effets de marée. Sur Terre, donc nous on connaît les marées, on va dire liquides, de l'eau, de ce qu'on appelle nous les marées, c'est les marées de la mer. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle des marées terrestres. Et en fait, la Terre, donc la surface de la Terre, bouge d'à peu près 5 mètres ou 10 mètres, je crois, à cause des marées terrestres. Donc, on déforme la forme de la Terre à cause de la Lune qui tourne autour. Et donc, la Lune est elle aussi déformée. Et on peut avoir ça si on rapproche aussi une étoile de sa planète ou, par exemple, si on est sur un satellite qui est proche d'une géante. C'est Io, il me semble, qui est un petit satellite proche de je ne sais plus quelle planète parce que je suis nulle pour retenir les noms de toutes ces planètes géantes. Il y en a beaucoup trop. Il y en a au moins 4. C'est horrible. Non, je rigole. Mais du coup, c'est un satellite de Jupiter. C'est Jupiter, ok. J'ai pas envie de dire de bêtises, alors je préfère rajouter une blague. Mais du coup, Io, en fait, c'est une petite planète qui est chauffée par des chauffages de marée qui sont liés à l'interaction entre la planète et sa géante gazeuse. Et donc, il y aurait plus de chauffage lié à ces chauffages de marée que de chauffage lié juste au flux solaire. Et justement, tu parlais du champ magnétique, tu nous as un peu parlé d'une question que j'avais ensuite sur en quoi c'est en lien à la formation de la Terre et tout. Ça, tu nous en as déjà parlé. Il me semble que le champ magnétique permet aussi, enfin, en fait, il me semble pas, je sais, permet de protéger notamment la vie, notamment de tout ce que le Soleil peut avoir de néfaste et le vent solaire, ce genre de choses sur nous. Est-ce que tu penses qu'il faut nécessairement un champ magnétique pour avoir de la vie? Alors, c'est une grande question. Donc, moi, mon postdoc, je l'ai fait à ELSI, qui est le Earth Life Science Institute à Tokyo, qui est un labo qui avait qui a toujours, parce qu'il existe toujours, comme grande question de comprendre l'origine de la vie. Et donc, vous me direz, qu'est-ce qu'une géophysicienne qui fait de la Terre profonde va vers dans un labo qui travaille sur l'origine de la vie? Eh ben, parce qu'en fait, l'origine de la vie, elle est vachement liée à l'origine de la planète. Et du coup, on s'intéressait plutôt, nous, aux mécanismes de formation des planètes. Et donc, j'ai discuté avec pas mal d'astrobiologistes sur, comment est-ce que le champ magnétique interagit avec la vie, etc. C'est vachement important, il faut vraiment qu'on ait un champ magnétique. C'est franchement une question qui est toujours ouverte, malheureusement, nous, on a tendance, en tant que géophysiciens, à dire, à l'écrire dans nos introductions d'articles, en mode « Ouais, c'est super important, parce que c'est pour l'origine de la vie, c'est vachement important. » Mais en fait, c'est pas clair du tout. Il y a deux choses. Il y a le champ magnétique actuel, il protège effectivement des vents solaires, et donc la vie telle qu'elle existe actuellement sur Terre serait bien emmerdée s'il y avait plus de champ magnétique. Mais en fait, l'atmosphère nous protégerait déjà pas mal. Donc elle serait bien emmerdée, mais pas tant que ça. Donc peut-être que nous, parce que on fait attention à notre peau et qu'on n'a pas franchement envie d'avoir trop de coups de soleil, qu'on est un peu sensible, on serait peut-être très emmerdé, mais la vie en elle-même, je sais pas à quel point elle serait franchement embêtée par l'absence de champ magnétique, parce qu'on garderait quand même une atmosphère. L'autre chose qu'on a tendance à dire, c'est que le champ magnétique, il aide à protéger l'atmosphère. Et en fait, il aide à empêcher le décollement de l'atmosphère par les vents solaires.
C'est pas sûr non plus. En fait, il y a deux choses. Il y a des modèles qui montrent que, en fait, avec un champ magnétique tel qu'on l'a actuellement, on voit, on a des aurores boréales au nord et au sud. Enfin, on a des aurores boréales, c'est au nord. Il y a des aurores, en fait. Il y a des interactions entre l'atmosphère et les vents solaires au pôle. Parce que au pôle, le champ magnétique, il repique. Et en fait, il y a peu de champ magnétique à cet endroit-là. Ou en tout cas, il n'y a pas la protection du champ magnétique sur les pôles. Et en fait, il y a des modèles qui tendraient à montrer que ces effets-là au pôle seraient plus importants que si globalement on n'avait pas de champ magnétique. Et que en fait, le fait qu'on ait des lignes de champ magnétique qui repiquent sur la Terre, ça aiderait peut-être à évacuer plus vite de l'atmosphère. Donc c'est franchement des choses qui sont encore en débat. Moi, j'ai arrêté de dire que le champ magnétique, ça aidait à l'apparition de la vie. Je pense pas que ça aide à l'apparition de la vie. Par contre, ce qui est certain, c'est que la vie telle qu'on la connaît actuellement sur Terre, elle s'est développée quasiment intégralement dans des époques où il y avait un champ magnétique. Et du coup, toute la vie sur Terre, quasiment a des effets, on peut voir des effets de ça, en fait. On voit dans certains cerveaux d'animaux qu'on a des détecteurs de champ magnétique. Le cerveau humain, a priori, aurait aussi une manière de détecter le champ magnétique terrestre. Alors, actuellement, vu qu'en plus on est entouré d'ordinateurs et trucs comme ça, c'est à des niveaux ultra faibles, hein, mais en fait, il y a des reliquats de ce truc-là, des reliquats du fait que les animaux, les plantes, etc., se sont formés dans une terre avec un champ magnétique. Donc, je pense que c'est plus important le fait que dans l'évolution de la terre et l'évolution de la vie, il y avait un champ magnétique qui fait qu'on a la vie telle qu'on l'a actuellement. Mais je sais pas si une planète sans champ magnétique, elle aurait pas été aussi capable d'avoir la vie, peut-être pas la vie, du coup, pas la vie comme on la voit maintenant. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et c'est hyper rafraîchissant parce que souvent, beaucoup de gens qui parlent d'astrobiologie, ils font pas nécessairement de biologie, et c'est souvent oublié. Et en tant que biologiste de l'évolution, c'est super intéressant de se dire que on a un état initial et que la vie après, elle s'adapte à cet état initial. Donc, la vie qu'on trouve sur Terre, elle sera pas forcément la même que celle qu'on trouve ailleurs. Et qu'effectivement, nous, on s'est développé dans un truc qui avait le champ magnétique, donc voilà. Mais qu'ailleurs, où il n'y est pas, on peut très bien imaginer que des cellules ou même des organismes plus compliqués se seraient adaptés à autre chose. Après, ce qui est probable, c'est qu'il y a beaucoup d'interactions entre l'atmosphère et le champ magnétique, et que des planètes qui n'ont pas de champ magnétique peuvent avoir une atmosphère très différente. Ce qui est compliqué actuellement, parce qu'on essaye en fait, y a toute la question des exoplanètes, et est-ce qu'on pourrait avoir la vie sur une exoplanète? J'ai participé à des projets pour essayer de comprendre si on pouvait avoir des champs magnétiques sur des exoplanètes. C'est compliqué de faire la part des choses entre... on peut en fait nous faire des modèles qui prédisent ou pas des champs magnétiques, alors ça prédit plus ou moins bien. Mais on peut faire des modèles... Par contre, de dire comment est-ce que l'atmosphère d'une planète interagit avec ce champ magnétique, c'est vraiment complètement hors de portée de ce que moi je peux faire. C'est hors de mon champ de compétences, mais complètement. Du coup, je peux pas en dire grand-chose. Quand on voit dans le système solaire, il y a deux planètes qui font à peu près la taille de la Terre. Il y a Vénus et la Terre. Il y en a une qui a un champ magnétique, c'est la Terre. Il y en a une qui a pas de champ magnétique, c'est Vénus. Il y en a une qui est habitable, c'est la Terre. Il y en a une qui est pas habitable, c'est Vénus. Par contre, en termes d'épaisseur, par exemple, d'atmosphère, Vénus, elle a une atmosphère super dense. Et donc, elle a aussi une atmosphère. C'est juste qu'elle a une atmosphère où on n'a pas envie de mettre les pieds. Enfin, du coup, pas envie de mettre quoi que ce soit. Enfin, on n'ira jamais mettre les pieds. C'est du coup une atmosphère qui est complètement irrespirable, inhabitable pour la vie telle qu'elle a été faite sur Terre et pour nous. Parce que c'est plein d'acide sulfurique, c'est plein de trucs horribles. Mais du coup, c'est compliqué, en fait, d'essayer de voir ces évolutions d'atmosphère et ces évolutions de champs magnétiques quand on a ces exemples-là, parce que c'est un peu contre-intuitif. On a envie de dire l'atmosphère, elle serait conservée quand il y a un champ magnétique, donc la Terre devrait avoir une plus grosse atmosphère. Mais il y a toutes les conditions initiales, il y a toutes les conditions d'évolution, puis voilà, qui font que Vénus a gardé une atmosphère très dense. C'est peut-être une atmosphère qui est plus primordiale que celle de la Terre.
ou la Terre serait formée plus tard, ou voilà, c'est compliqué. C'est vraiment des champs de recherche qui sont super intéressants et qui sont développés à fond maintenant. Et surtout Vénus, parce qu'il y a des missions, il y a plusieurs missions vers Vénus, missions spatiales qui vont être peut-être lancées, on croise les doigts, par la NASA et l'ESA, et du coup, il y a, en tout cas, dans les collègues qui sont autour de moi, beaucoup de gens qui travaillent sur l'atmosphère de Vénus et la dynamique interne de Vénus. Et du coup, pour faire un peu la transition, tu disais que ce que tu fais, c'est pas nécessairement applicable à d'autres planètes. Dans ce que tu nous as raconté, quelque chose qui m'a frappé, c'est à quel point, en fait, c'est toujours très dur de savoir ce qui se passe à l'intérieur de la Terre quand même si on en a une bonne idée, sur le noyau. Du coup, qu'est-ce qu'on sait des autres planètes? Parce qu'on n'a pas toutes ces... On n'a pas de sismo, oui, on n'a pas ces observations. Alors, du coup, peut-être pour revenir sur qu'est-ce qu'on sait de la Terre déjà, parce qu'en fait, ouais, on ne sait pas forcément non plus tout de la Terre. La graine dont je parle, c'est une des découvertes les plus récentes. C'est la structure interne de la Terre qui a été découverte la plus récemment. Elle a été découverte en 1936 par une sismologue qui s'appelle Inge Lehmann. Et en fait, on observe l'intérieur de la Terre avec des ondes sismiques. Donc ça veut dire que sur la Terre, on a des stations sismiques qui sont réparties en gros sur toutes les terres émergées, globalement, parce qu'on a du mal à les mettre au fond des océans. Il y a des groupes qui essayent d'en mettre quelques-unes au fond des océans. Et on a des séismes qui sont du coup limités aux zones où il y a des séismes sur Terre. Donc par exemple, un petit peu en France, mais pas beaucoup quand même. Par exemple, j'étais au Japon, il y a beaucoup de séismes au Japon. Enfin voilà, ce qu'on appelle les zones de subduction, il y a beaucoup de séismes. Mais en fait, on observe l'intérieur de la Terre avec les ondes sismiques qui traversent la Terre et qui vont avoir des vitesses qui dépendent des propriétés internes des matériaux. Mais du coup, ce que je viens de dire, c'est que pour avoir ces observations sismiques, il faut à la fois qu'on ait des séismes et des sismomètres. Et donc, actuellement, dans l'histoire de l'humanité, il y a trois planètes qui ont jamais été équipées de sismomètres. Donc, il y a la Terre, il y a Mars, qui a actuellement un sismomètre, et il y a la Lune, qui a eu des sismomètres. Mais Mars et la Lune ont eu un ou quelques sismomètres. Donc, on est très, très, très loin de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ces planètes-là. Donc, l'autre grand type d'observation qu'on va regarder pour essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur des planètes, c'est les champs magnétiques. Donc, sur les planètes du système solaire actuellement, il y a deux planètes qui ont un champ magnétique. Donc, je parlais des planètes internes, des planètes rocheuses. En gros, c'est les planètes hors planètes gazeuses. Donc, il y a Mercure et la Terre qui ont un champ magnétique. Et donc, Mars et Vénus n'ont actuellement pas de champ magnétique. Donc, ça veut dire déjà qu'on limite sur qu'est-ce qu'on peut effectivement savoir des champs magnétiques des planètes, parce qu'on n'a que deux exemples. Sachant qu'en plus, Mercure, c'est difficile à observer. Alors, il y a une mission. Enfin, c'est pareil, c'est les missions spatiales. Donc, il y a une mission spatiale qui est partie vers Mercure. Donc, on aura plus d'informations bientôt. Ça s'appelle Bepi Colombo. Et par contre, Mars est aussi sur la Lune. On peut mesurer dans les roches qu'il y a eu un champ magnétique dans le passé. Et donc tout ça combiné, toutes ces informations combinées, ça nous donne des idées sur l'état des noyaux dans le passé. Mais il faut des modèles pour faire ça. On peut pas juste dire on a les observations. Ça veut dire que il faut des modèles un peu plus compliqués. Mais du coup sur Mars, on a des observations. Comme Mars, c'est quand même une planète qui est bien étudiée. On a pas mal de mesures de champs magnétiques rémanents, donc les champs magnétiques qui sont mesurés dans les roches à la surface de la planète. On a pas mal de mesures en fait de champs magnétiques pour la Lune aussi, et donc on peut essayer de faire des modèles qui essayent de comprendre l'intégralité de ces champs magnétiques. Mon postdoc actuel, moi je suis j'ai un contrat européen Marie Curie dont le but est justement d'essayer de comprendre les champs magnétiques. L'évolution à long terme des champs magnétiques des planètes du système solaire dans un modèle un peu cohérent, plus que prendre chaque planète une par une et essayer de les expliquer une par une. L'idée, c'était de voir est-ce qu'on peut faire un modèle qui puisse expliquer l'ensemble de toutes les planètes et quelles informations on a en additionnel quand on fait ça. Et du coup, t'as trouvé des trucs particuliers sur... du coup, on a avancé
Voilà. Bon, je sais pas si je voudrais trouver des trucs en particulier. On a mis en évidence qu'il y avait certaines choses auxquelles il fallait faire attention quand on faisait des études de champ magnétique. Et tu montres aussi que c'est toujours très incrémental, hein, quand on se lance vers des choses comme ça, très exploratoires, c'est dur d'avoir la grosse découverte waouh, j'imagine. Bah, de toute façon, il y a plus, enfin, moi, je pense pas, hein, qu'il y ait de grosses découvertes waouh. S'il y a un moment où vous avez un papier ou que vous lisez, où vous avez l'impression qu'il y a une grosse découverte waouh, c'est que vous êtes, enfin, c'est que les gens qui ont écrit le papier, ils en ont fait trop. Enfin, on fait plus de grosses découvertes. En tout cas, je sais pas. Moi, je pense pas qu'on puisse faire de grosses découvertes. Je pense qu'on peut faire on fait des incréments, on travaille avec les études qui ont été faites précédemment, et puis on augmente un peu la connaissance sur telle ou telle chose. Moi, un truc que j'essaye de faire en ce moment beaucoup, c'est de publier les codes. Parce qu'un truc en géophysique, c'est qu'on a tendance à garder les codes pour nous. Alors, il se trouve en plus que je vais pas rester en science, académique. Mmh. Et du coup, je trouverais ça dommage que mon travail disparaisse, mais d'en plus d'avoir des codes qui sont utilisables par d'autres personnes. Pour que comme ça, justement, tu fasses des incréments aussi de codes et que, quelqu'un d'autre puisse utiliser ton code pour l'améliorer, pour le développer, pour développer son propre code, mais qu'on ait aussi de l'incrémentiel sur les codes. Parce que c'est quelque chose qui se fait pas trop dans la communauté, j'ai l'impression. Ouais, nous, c'est quelque chose en biologie qui s'ouvre de plus en plus, en fait. Je pense que c'était pas vraiment le cas avant, et ces cinq dernières années, on peut aller large. Les gens publient leurs codes systématiquement maintenant, la plupart du temps, et on va vraiment vers cette idée d'avoir des choses ouvertes et des logiciels libres et tout ce qui est Python, R et tout ça, de mettre au maximum. Mais je pense que c'est vers là qu'on devrait aller. Après, ça demande du travail supplémentaire, d'avoir un code qui est propre, d'avoir des choses qui sont réutilisables, de faire un peu de suivi s'il y a des gens qui veulent les utiliser. Ouais. Ça demande un peu de travail supplémentaire, mais je pense que c'est intéressant. Et pour revenir sur la science waouh, ou les trucs comme ça, enfin, je sais pas, moi, j'y crois plus. Hein. Moi, j'ai l'impression, j'ai eu l'occasion de travailler avec des collègues sur... un papier qui va sortir demain, d'ailleurs, dans Nature Geoscience, donc dans un journal qui a priori un peu, un peu chouette, quoi. Enfin, où on se dit, on va avoir de la visibilité. Et en fait, c'était un peu frustrant parce que on avait vraiment l'impression que ce que voulait l'éditeur, c'était un truc qui claque. Et en fait, nous, on a fait un truc chouette, on a fait un truc multidisciplinaire. C'est une équipe avec des sismologues, avec quelqu'un qui fait de la science des matériaux, avec moi qui fais de la dynamique. On a réussi à combiner plein de trucs. Enfin, le truc, il est chouette, mais on ne pourra pas vous donner exactement telle valeur pour tel truc. On peut donner un ordre de grandeur, on peut donner... Mais non, on n'a pas résolu le problème, enfin non. Mais par contre, on a fait un truc super chouette, donc ça vaut le coup, publiez-nous, quoi. Donc on a réussi à le convaincre, mais je trouve ça frustrant des fois que pour ces journaux-là, on nous demande justement un effet waouh, alors que je pense pas qu'il soit là tout le temps. Et que du coup on se retrouve des fois à écrire des phrases en se disant j'y crois pas trop mais bon en même temps allez ça rend mieux. Tu fais c'est pas ça la science normalement mais bon. Et du coup je pense que du coup ils sont aussi plus faux que les autres ces papiers là parce que si tu pousses trop le bouchon au bout d'un moment tu commences à lire des trucs Ouais alors j'ai pas l'impression qu'en général les papiers soient faux en tout cas dans ce que moi je vois mais par contre les introductions sont misleading, je sais pas comment, sont franchement et ouais c'est survendu. C'est survendu ouais. En fait, les introductions sont souvent on va te t'embarquer en te vendant on a trouvé ça, alors que après tu regardes et tu fais non ils ont pas trouvé ça, ils ont trouvé un truc intéressant, mais ils ont pas trouvé le truc qu'ils disaient. Le pire c'est quand les intros le font, les conclusions le font et puis l'intérieur du papier tu te rends compte que non. Et malheureusement en travaillant dans un milieu ultra multidisciplinaire je vais pas lire l'intérieur de tous les papiers. Enfin, les papiers de sismologue, moi, je peux pas comprendre tout ce qui se fait dans la manière dont ils traitent les données, dans la manière dont ils font les observations. Et du coup, oui, j'ai tendance à aller regarder les conclusions. Et donc, si on survend les conclusions, après, tu te retrouves à dire, moi, je pensais que machin, il avait dit ça. Mais en fait, regarde dans le papier à l'intérieur, il dit plutôt ça. Ok. Non, mais je pense que c'est un problème qu'on a en biologie aussi, hein. Et moi qui suis dans un domaine extrêmement interdisciplinaire, j'ai un peu le même problème que toi. Et je pense que c'est surtout, c'est quelque chose qui vient beaucoup des États-Unis. Ici, c'est vrai que il y a une, moi, et je le vois maintenant là, par exemple, moi qui cherche un job
j'applique à la fois aux États-Unis et en Europe. Je dois complètement réécrire mes applications suivant si je suis aux États-Unis ou en Europe, parce qu'aux États-Unis, ils veulent cette surenchère. En gros, faut écrire qu'on va, on va trouver le secret de la vie, quoi. Alors qu'en Europe, c'est le contraire. Il faut, je pense que les gens sont plus soucieux de ce côté plus incrémental dont tu parles, qui en fait est plus proche, à mon sens aussi, de ce qu'on fait réellement en science. Et du coup, bah, t'en as un petit peu parlé. Là, on va terminer cette partie de questions sur ta recherche et la science proprement dite. La recherche à venir sur la question, t'en as déjà un peu parlé. Les questions qui restent en suspens aussi. Qu'est-ce que tu voudrais étudier ensuite, toi, si tu pouvais? Quels sont les prochains défis, en fait, pour avancer justement ce genre de recherche? Alors moi, j'ai toujours le souci que je suis tiraillée entre la partie technique et la partie objet. Et du coup, j'ai plein d'idées sur en technique qu'est-ce que j'aimerais développer. Il y a des trucs super intéressants à faire en simulation numérique sur ce qu'on appelle le biphasique, c'est-à-dire quand on a des écoulements où il y a à la fois du solide et du liquide, sur les interactions entre les différentes phases. Il y a plein de choses comme ça que je trouverais. Enfin, vraiment, c'était les trucs que j'aurais voulu pouvoir continuer à faire. Et après sur les objets, du coup sur les applications, j'avoue que bah la graine, ça reste toujours un truc où je me dis mais putain on n'a rien compris et on n'a rien compris et il faut faire tellement de trucs pour essayer de comprendre ce truc là que je pense qu'il y a plein de choses à faire, mais ça reste peut-être un peu trop loin pour les chercheurs, ou peut-être c'est souvent des, je sais pas. Donc il y a plein de choses à faire encore là-dessus, en fait. Eh ben, j'espère que dans le futur, on en saura encore plus sur la Terre et aussi sur les autres planètes. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de la vie académique et de ta vie perso et du reste aussi, parce que être chercheur, comme tu vas nous le dire et comme je pense on est plusieurs à l'avoir vécu ici, c'est pas toujours facile. Notamment, t'as vécu des déménagements, ta carrière académique t'a amené à travailler au Japon notamment et en France. Comment t'as vécu ces déménagements? Est-ce que t'as aimé vivre au Japon? Est-ce que t'as vu des différences sur la manière de faire de la science entre le Japon et la France? Alors, j'ai adoré le Japon. C'était génial. C'était une expérience, mais complètement folle. On a été dans des conditions absolument géniales. Donc, pour expliquer, j'ai un compagnon. En fait, on a eu de la chance. On a postulé tous les deux à des bourses postdoctorales et on les a eues tous les deux. Donc, on est arrivés tous les deux au Japon le même jour. Donc, sachant qu'on avait un enfant à ce moment-là, c'était quand même plus pratique, avec une bourse de postdoc. On nous a dit, arrivé sur place, que ça s'était jamais vu, parce que on était sur le même pool de bourses de postdoc, que c'était la première fois qu'ils avaient un couple qui était sur les mêmes bourses. Enfin, voilà, ils avaient jamais vu ça. Et en fait, on a été dans des conditions géniales parce que les universités sur place nous ont vachement aidés. Les deux universités ont été, ils avaient vraiment la notion de ce que c'est d'être étranger, ils savaient en fait que bah c'est galère pour les étrangers d'arriver, c'est galère de trouver un appart, c'est galère de trouver de trouver un compte en banque, c'est galère de faire toutes ces démarches que tu dois faire quand t'arrives quelque part. Et en fait, ouais, comme ils le savaient, et ben ils avaient des gens en place qui étaient là pour nous aider et on a été mais soutenus à fond là-dessus. Et donc ça a été une expérience mais absolument géniale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Japon, c'est assez différent de la France. mais c'est un pays, enfin moi c'est une culture que je connaissais pas du tout. C'est assez drôle parce que la plupart des gens qu'on croisait qui venaient là, ils étaient là, oh mais moi j'ai toujours voulu venir au Japon. Nous on est arrivé un peu par hasard parce que je voulais travailler avec quelqu'un qui se trouve est américain et a déménagé au Japon l'année d'avant. Et du coup, il m'a dit, bah, t'as qu'à venir. J'ai fait, bah, ouais. Et du coup, on est allé. Mais donc, on est arrivé un peu là par hasard, mais dans des conditions géniales. La vie scientifique au Japon, elle se fait un peu différemment d'en France. Mais en fait, moi, je l'ai pas trop vue. La raison pour laquelle je l'ai pas trop vue, c'est que, donc, je vous ai parlé du ELSI, donc, le laboratoire où j'étais. En fait, c'est un laboratoire, c'est un peu une expérience du gouvernement japonais. Pour essayer de refondre, de changer, de modifier en fait la manière dont la science se fait au Japon. Et du coup, ça n'avait rien à voir avec la structure habituelle d'un laboratoire japonais.
Et en particulier avec un laboratoire japonais, en général, c'est souvent contrôlé, en fait, géré par un professeur qui a en dessous de lui des assistants de professeurs, qui ont en dessous d'eux des post-docs, etc. Mais c'est très hiérarchique. Et en fait, le laboratoire où j'étais, c'était un laboratoire avec énormément d'étrangers, donc de non-japonais. On était à peu près 50%, je crois, de non-japonais. Beaucoup plus de femmes aussi que dans un laboratoire japonais habituel, malheureusement. Le Japon reste un pays très, très sexiste. Mais du coup, on était à peu près à 30% de femmes, ce qui est beaucoup pour les laboratoires japonais. Et avec une structure hiérarchique qu'on disait plate. C'est-à-dire, moi, arrivant en tant que postdoc, je pouvais discuter avec l'ensemble des personnes sur place sans qu'il y ait aucun côté hiérarchique. Donc, il n'y avait pas quelqu'un qui devait me dire quoi faire. J'avais mes propres financements, j'arrivais avec mon propre projet et c'était à moi de m'organiser, de faire ce que je voulais. Et c'était juste génial. Alors, ça aide pas forcément à se concentrer et à réussir à se focaliser sur un truc. Mais par contre, c'est génial quand tu arrives après ta thèse et qu'on te dit, bah voilà, fais ce que tu as envie de faire. Ouais, t'es indépendante en fait déjà, t'es chercheuse indépendante finalement. C'est ça, t'es chercheur indépendant et en même temps t'es aussi considéré vraiment au même niveau que l'ensemble des autres chercheurs du laboratoire. Ah oui, et un truc important c'est que un des trucs qui faisait aussi la différence entre un laboratoire japonais et mon laboratoire, c'était que, enfin entre un laboratoire japonais lambda on va dire, c'est que la langue de travail c'était l'anglais. Et donc, ça veut dire qu'ils avaient interdiction de faire des réunions en japonais. Alors, nous, on rigolait parce qu'on était plusieurs Français, donc on disait qu'on avait aussi interdiction de faire des réunions en français. Mais voilà, donc on était vraiment dans des conditions... Enfin, moi, j'étais vraiment dans des conditions géniales pour pouvoir faire de la science. On avait beaucoup de financement. Ça veut dire qu'on avait vraiment des possibilités de faire des choses. On avait, voilà, des collègues vraiment géniaux et plein de trucs... Condition idéale, quoi, par rapport, j'imagine, même au retour en France. Complètement idéale. Le retour en France a été un peu violent là-dessus, mais après, je suis aussi rentrée avec des conditions pas mal, mais après, c'est plus le côté familial qui a été compliqué pour le retour en France. Ben justement, parlons-en de la famille un peu. Tu as eu deux enfants pendant ta carrière, si je me souviens bien, un en thèse et l'autre en post-doc. Alors, comment tu as réussi à conjuguer tes deux maternités avec une carrière aussi exigeante? C'est compliqué. C'est plus compliqué quand en plus t'es la femme qui a des enfants. Donc mon mari est aussi, enfin était aussi en recherche. Du coup lui aussi hein, a eu deux enfants pendant un enfant pendant sa thèse. Et donc ça aurait dû être voilà pas beaucoup plus différent. Mais en fait c'est beaucoup plus compliqué quand bah c'est toi qui en fait te retrouves à être la femme et à avoir la maman. C'était compliqué. Ça s'est beaucoup simplifié par le départ au Japon. Justement parce que on arrivait avec des conditions géniales, que la personne donc avec qui je voulais travailler en fait était un Américain qui était aussi arrivé l'année d'avant avec aussi sa femme et sa fille, et du coup ils avaient déjà en gros eu l'expérience de on est des étrangers, on arrive et on veut une crèche. Et donc comme ils avaient déjà fait tout ça, et ben en fait on est arrivé et ils nous avaient déjà trouvé une place en crèche. Donc on est arrivé, on avait l'appartement, on avait la place en crèche. Tout le monde était super supportif. Enfin, tout le monde était vraiment... alors, je vais pas dire arrangeant, parce que c'est pas arrangeant le terme, mais tout le monde était compréhensif sur le fait que, bah voilà, tu as un enfant et du coup, bah tu es dans des conditions un peu spéciales peut-être, que bah des fois, tu dois partir un peu tôt, que des fois, tu dois arriver un peu tard parce qu'il y a eu un souci le matin, voilà. Mais du coup, tout le monde était vraiment... c'était vraiment très, très agréable. Je crois que le principal, donc le souci qu'on a eu, c'était que bah au Japon, on était vraiment très loin de la famille, que ça posait des soucis. C'est bizarre, hein, quand on l'a jamais vécu, je pense qu'on peut pas le comprendre, mais les trucs comme les attentats de 2015, de 2000, je sais plus lesquels. Enfin, si c'était 2015, ouais, je crois novembre. Voilà, c'était novembre 2015. Ça faisait 6 mois qu'on était au Japon. Enfin, moi, ça a été un choc, en fait, de se rendre compte que t'as des trucs comme ça qui peuvent se passer, qui peuvent impacter ta famille et que t'as aucun moyen d'être là. Enfin, c'était vraiment le truc où je me suis rendu compte que, putain, on est vraiment à 12 heures d'avion des parents, quoi. On est vraiment à 12 heures d'avion des copains. On est vraiment à 12 heures. Ça, c'était un peu dur.
Mais sinon, le problème principal d'avoir des enfants, enfin, en tout cas, un des soucis qu'on a eu pour les enfants, c'était la partie administrative en France. Et ça, à chaque fois, ça a été l'horreur. Parce que mes deux enfants sont nés en France. Et les deux fois, ça a été, il y a eu des soucis, il y a eu, et je crois que on s'en rend, enfin, les gens s'en rendent pas compte, mais en fait, le fait d'avoir des enfants en thèse ou en postdoc, on est vraiment considéré comme une anomalie. Et personne ne veut, enfin, ils comprennent pas forcément la, en tout cas, la partie administrative, administration, que, qu'il y a des règles qui ont été mises en place, qui marchent très bien quand t'es un mec sans gamin. Et en fait, qui posent des gros soucis quand tu te retrouves dans une situation où, bah oui, il faut prendre 4 mois de, 4 mois de congé. Mmh. Et tu peux pas ne pas les prendre, ces 4 mois de congé. Et c'est comme ça. Et donc, s'il y a des règles, c'est pas sur toi qu'elles sont censées retomber. Et en fait, elles retombent ouais. sur ta gueule à toi, parce que bah, c'est toi qui les prends les 4 mois et que eux ils s'en foutent. Et du coup, ça a été super dur pour ça. Donc, j'ai eu, moi, des soucis avec l'administration, que ce soit donc pour la naissance de mon premier fils en France pendant ma thèse ou pour la naissance du second pendant mon postdoc. Ça a été un peu compliqué oui, pour oui. ça. Et j'irais même dire que, enfin, je l'ai même dit à quelques personnes que je pense que ça fait partie des raisons pour laquelle j'ai décidé que j'arrêtais, en fait. Que l'administration de l'Académique française, j'ai pas envie, en fait, de voir ça plus longtemps avec eux. Voilà. Ouais, non, mais je pense que c'est compréhensible. Et t'es pas la seule à dire ça. Je pense qu'on a eu des exemples de gens, même une fois, qui sont venus en parler et qui ont dit que, au niveau de leur bourse, ça. Le congé maternité n'était pas prévu dedans ou des choses comme ça. Et... C'est ça. C'est pas du tout prévu. C'est vraiment, t'es considéré comme une anomalie, en fait. Et le pire, c'est quand j'ai essayé de remonter des choses et qu'on m'a dit, non, mais tu sais, enfin, il y a tellement peu de cas, on s'en fout, en fait. Alors, ils ont pas dit on s'en fout, mais c'est vraiment le, ah, mais il y a tellement peu de cas, 3 petits points. Bah oui, mais enfin, il y en a quand même. Et du coup, si vous voulez qu'il y ait plus de femmes qui restent en sciences, parce que le problème, c'est pas que les femmes rentrent en sciences, je pense pas, hein. Le problème, c'est qu'elles restent. J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que souvent, on se dit, ah, il faut qu'il y ait plus de femmes qui commencent des études scientifiques. Actuellement, en tout cas, en sciences de la Terre, les femmes qui commencent des études scientifiques, bah, c'est la majorité par rapport aux hommes. Et le truc, c'est qu'elles restent pas. Et si elles restent pas, c'est parce que l'environnement, il est pas fait pour elles. Les Américains ont un mot pour ça qu'ils appellent le leaking pipe. Ouais, le leaky pipeline. Ouais, c'est ça, le tuyau qui fuit et qu'en fait, c'est pas tant l'entrée qui est le problème que le fait qu'il y a des pertes à tous les niveaux parce qu'à chaque moment de la carrière, c'est un peu plus compliqué pour les femmes que pour les hommes. Et du coup, il y en a un petit peu plus qui abandonnent que les hommes. C'est pour ça qu'à 50 ans, on se retrouve avec 5 ou 10% de femmes. C'est pas qu'il y en ait que 5% au début, c'est qu'il y en a beaucoup plus qui abandonnent. Oui, sachant qu'aux États-Unis, en plus, c'est encore pire, puisque la discrimination est encore plus forte. Enfin, moi, je le vis comme ça, en tout cas. Pour parler des congés mat, par exemple, t'as 2 semaines. Oui. Voilà. Donc, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça va faire le lien avec ma deuxième question, mais c'est d'autant plus choquant, je pense, que tu dis que finalement, l'âge moyen de recrutement, que ce soit en France ou ailleurs, il est de plus en plus tard, souvent vers 35 ans maintenant. Ça veut dire qu'en fait, si on suit ton raisonnement, ça pousserait les femmes à avoir des enfants aussi de plus en plus tard à cause du travail si elles veulent rester, ce qui est problématique. Bah, je pense qu'il y a déjà le côté de pousser, enfin que le système académique pousse les femmes à avoir des enfants de plus en plus tard. Je pense que ça c'est déjà vrai. Moi, ça m'avait presque choquée quand donc j'étais en thèse, j'avais 28 ans, j'avais mon premier enfant, où on m'a dit, oh, mais attends, tu fais vraiment des enfants très jeunes. Et j'étais là, mais. Enfin, 27, 28 ans, c'est pas considéré comme jeune pour avoir un premier enfant, en fait. Mais en fait, si, dans le milieu académique, c'est complètement considéré comme jeune parce que faire un enfant en thèse, ça fait, mais c'est considéré comme une anomalie. C'est vraiment considéré comme une anomalie. T'en as un petit peu parlé. Tu penses quoi de l'état de la recherche actuellement en France? Enfin, on a parlé pas mal d'un point de vue des femmes, mais en général, tu penses la recherche en France et même aller dans le monde, mais plus particulièrement en France en ce moment? Ah bah, ça manque de postes. C'est sûr. Moi, ce que je vois, donc, mon mari est enseignant maintenant à l'université, plus du tout chercheur. Enfin, juste, ils sont, enfin, il n'y a pas assez de profs, en fait, même à l'université. Et je comprends pas pourquoi ils n'embauchent pas plus d'enseignants-chercheurs. Je comprends pas comment on peut dire qu'il y a plus d'étudiants qui arrivent et qu'on n'embauche pas plus d'enseignants-chercheurs. Mais après, voilà, c'est compliqué. Il y a des problèmes de sous, il y a des problèmes. Le fonctionnement avec des financements ultra sélectifs, c'est horrible.
Je trouve ça très très compliqué. Et du coup, bah, puisqu'on est dans Podcast Science, on aime bien la vulgarisation. Toi, t'es aussi impliqué en vulgarisation, t'en as fait pas mal, t'as fait des interventions en France et au Japon. Il me semble aussi, t'as un blog qui est assez chouette, que tu co-gères avec un collègue, il me semble, qui s'appelle Tout là-bas en dessous, où il y a plein de travaux de géologie de la Terre interne, des satellites, d'autres choses. Notamment, t'as fait pas mal de billets sur des satellites de glace, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce site et de ce qui t'a poussé à faire de la vulgarisation ? Moi, j'aime bien expliquer ce sur quoi je travaille. Je sais pas si ça s'entend ou si ça se sent, mais j'aime bien expliquer. Oui. Du coup, je trouvais ça chouette de pouvoir faire de la vulgarisation. Quand j'étais en France en thèse, j'avais monté ce qu'on s'appelait un laboratoire junior. Je sais pas si ça existe encore. C'était du coup à l'École normale supérieure de Lyon, qui nous avait financé pour monter des expériences de mécaflux, que les gens puissent faire eux-mêmes. Donc on avait une grande cuve où on pouvait faire des tsunamis dedans. En gros, c'est une grande cuve qui fait 3 mètres de long, qui fait 20 cm de large, et dans lequel il y a de l'eau. Et en fait, si tu fais tomber un bloc d'un côté, une vague solitaire qui se met dans la cuve. Et c'est assez joli, et ça permet de laisser les gens faire, en fait. Et on avait trouvé ça vraiment très chouette de pouvoir faire ce genre de choses. Et quand je suis arrivée au Japon, il y avait la barrière de la langue qui faisait que c'était beaucoup plus compliqué de parler science et de parler... de faire ces petites manips, en fait, avec des gens. Puis aussi, c'était un peu plus compliqué. Et donc, j'avais contacté un collègue avec qui on avait dit « Ah, ce serait cool de faire un petit site où on pourrait parler de ce qu'on fait et de parler de terre interne, parce qu'en fait, on ne voit pas souvent. » Et donc, on avait commencé comme ça. Je dois dire que ça doit faire un an et demi qu'il n'y a pas grand-chose qui a été publié dessus. Parce qu'il se trouve qu'entre-temps, ce collègue-là a soutenu sa thèse, est parti en postdoc, et du coup, qu'on était très, très chargés l'un et l'autre. Et que du coup, on n'a pas beaucoup... avancé. Thomas, si tu m'écoutes, t'inquiète pas, on peut encore s'y mettre. Hein. mais oui, non, moi je trouve que c'est important en fait de discuter avec d'autres gens. C'est important parce que ça permet même de se mettre les idées au clair. Donc c'est bien de discuter avec des collègues, c'est bien de discuter avec des étudiants. J'adore enseigner. C'est bien de discuter aussi avec des gens dans la rue ou dans des écoles ou à la fête de la science. Et du coup, j'essaye de faire un peu tout ça. J'ai participé à la fête de la science ici à Nantes. On a eu de la chance, c'est passé juste avant les règles sanitaires, là, en septembre. On a réussi à faire la fête de la science, c'était trop bien. C'était peut-être un peu audacieux d'un point de vue sanitaire, mais c'était très très bien. Et je suis allée dans des écoles aussi parce que je trouve ça génial en fait de parler de science avec tout le monde parce que ça t'aide aussi à comprendre ce que les gens apprécient, sont intéressés par et puis un peu voilà ça en général ça me remotive, ça me dit ah mais en fait les gens ils trouvent ça cool aussi. Alors il y a un truc quand même, c'est que je fais beaucoup d'équations et que je ne montre quasiment jamais d'équations et que j'aime beaucoup montrer des choses qu'on peut toucher avec les mains. Donc c'est le problème du site. Je crois que c'était ça qui me j'arriverai jamais à faire des vidéos parce que je suis nulle pour ça. Mais par contre, j'adore pouvoir montrer des expériences, pouvoir prendre des verres d'eau et des colorants et des briquets et faire des écoulements dans des verres d'eau et des trucs comme ça. Je trouve ça génial parce qu'on peut faire des effets waouh pour le coup, des vrais effets waouh avec rien en fait, avec des trucs de ta cuisine. Et tu peux commencer à expliquer ce que c'est la mécanique des fluides, comment ça coule et pourquoi est-ce que ça se fait à différentes échelles. Et du coup montrer que en fait ce que tu peux faire dans ta cuisine, c'est ce qui se passe dans une rivière. Moi j'ai une rivière qui passe juste à côté de la maison. C'est ce qui se passe dans un océan, c'est ce qui se passe dans un glacier, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Ça je trouve ça juste génial. Ouais mais c'est super parce que ça permet vraiment aussi de partir de l'observation pour arriver à des trucs des concepts de science qui sont finalement qu'on utilise partout quoi. Et puis je trouve que de manipuler en fait, de laisser les gens manipuler. Ils sont plus impliqués que juste d'écouter un truc. Non, ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Bon, alors dans le podcast, nous, là, c'est oui, plus bon. Difficile, mais... mais c'est vrai que c'est un... c'est même en classe, c'est sympa de faire comme ça. Alors, pour terminer cette partie, tu nous as dit que tu quittais l'académique. Tu nous as donné quelques raisons. Et donc, tu es en train de transitionner voilà, brillamment vers un poste en industrie. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que t'es contente de faire ça? Alors, oui, alors transitionner brillamment, je sais pas encore parce que j'ai pas commencé. mais oui, enfin, du coup, j'ai décidé de quitter le milieu académique, pas le milieu de la recherche. Donc, je vais rester en recherche dans un gros groupe, voilà, pour continuer à faire de la mécanique des fluides. Donc, c'est vraiment les trucs qui m'intéressent à fond. Changer d'objet. Donc, bah, ne plus faire de la science, enfin de la terre profonde, mais voilà, changer d'objet. Ça fait bizarre de dire au revoir à 10 ans de sa vie, parce qu'en fait, je comptais, ça fait 10 ans, presque 11, que j'ai commencé ma thèse, voilà. Donc, ça fait un peu bizarre de dire, bah voilà, je change vraiment de direction et je voilà. Mais j'ai vraiment hâte de commencer. Ça m'a l'air super intéressant. Je pense que ça va être dans des conditions assez géniales. Il se trouve aussi que ça nous permet pour la famille de rester au même endroit. Donc c'est aussi très intéressant de ce point de vue-là. Ouais. Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire du coup. Alors c'est pas, on m'a dit que c'est pas l'industrie, mais c'est un groupe privé. ça reste dans un groupe de recherche. Ouais, donc en fait c'est juste une autre façon de faire de la recherche. Et puis c'est vrai que je trouve qu'on est souvent en tant que chercheur dans l'académique assez peu orienté vers ça et informé. Du coup c'est bien de voir que c'est tout à fait possible après un postdoc de de pouvoir continuer à faire de la recherche autrement dans ces secteurs-là, quoi. Oui, et puis je pense qu'en recherche, enfin, quand t'as fait une thèse, quand t'as fait des post-docs, alors c'est peut-être, je pense que c'est peut-être plus ce qui a été plus compliqué, c'était d'imaginer avoir fait donc 6 ans de post-doc et ensuite transitionner du coup vers le privé. Ouais. C'était peut-être ça le plus compliqué, mais je pense qu'en fait en thèse ou en post-doc, on apprend plein de choses. On apprend plein de techniques et je pense qu'il faut vraiment séparer la partie objet et la partie technique. En tout cas, moi, c'est ce qui me semblait important quand j'ai discuté avec les gens du coup de la nouvelle boîte. J'étudie un objet, mais en développant des choses qui sont utilisables pour plein d'autres objets. Et donc, il n'y a pas de souci pour changer d'objet. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la physique, en fait. C'est vraiment la partie physique. Et du coup, c'est totalement exportable pour d'autres choses. Et puis même, après, il y a plein d'autres choses qu'on a appris en thèse, en post-doc. Gérer un projet, parler, expliquer les choses qui sont intéressants pour des jobs autres, quoi. Ouais. Donc faut pas se sentir frustré. Après, je suis pas sûre que je conseillerais à quelqu'un qui veut partir dans le privé de faire mon cursus. Je suis pas sûre que ce soit la façon la plus simple pour aller ensuite dans le privé. Mais voilà, il se trouve que ça, pour moi, ça s'est fait comme ça et j'espère que ça va fonctionner et que ça va bien se passer. Mais je pense. Bah écoute, on l'espère pour toi en tout cas et on te souhaite vraiment de t'épanouir dans ce nouveau travail. Alors pour finir, on a deux questions qu'on pose un peu traditionnellement dans le podcast. Quelle est la question qu'on te pose le plus et dont tu es qu'on te pose le plus pardon et dont tu es lassée, s'il y en a une? Alors on me la pose plus vraiment parce que du coup maintenant je dis que je fais de la recherche en physique, mais je sais que ce qui m'énervait le plus c'était quand j'étais en thèse qu'il y avait des copains qui me donnaient des cailloux et qui me disaient mais qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Moi, c'est blanc. Moi, je suis bretonne. C'est blanc. Ça doit être du granit. Mais voilà. J'ai découvert qu'il y avait autre chose de caillou blanc que du granit quand je suis arrivée sur Lyon. Mais sinon, avant. Donc, c'est vraiment ouais, le truc de géophysique où on te pose des questions de géologue. Et l'autre question, c'est quelle question aimerais-tu qu'on te pose et qu'on ne te pose jamais? Je pense que ce serait d'aller dans les détails d'un processus physique. Qu'en général, on me demande jamais. En général, les gens sont plus intéressés par grosso modo. Et des fois, ça me frustre de ne pas expliquer dans les détails. Eh bien, écoute, si tu reviens nous parler de ton nouveau travail ou d'autres trucs plus tard, on se rassure de te poser cette question-là. Eh ben sur ça, je vais terminer cette interview. Je vais redonner la main à Joanne pour enchaîner sur la citation et tout le reste. Merci en tout cas, c'était vraiment passionnant.
Et ouais, c'est vraiment chouette de pouvoir parler de tout ça un peu dans le détail et des thématiques qu'on n'aborde pas souvent. Très bien, bah merci beaucoup, c'était très intéressant. Je vous propose de passer à la quote. Et du coup, Eléa, je crois que tu avais une quote. Alors, au choix, vous avez gardé les pieds sur terre, mais laissez votre cœur s'élancer aussi haut qu'il le désire, de Hayden Wilson Tozer. Ou alors, je me sens un cœur à aimer toute la terre, de Molière. C'est pas mal, le deuxième. Très bien. Eh ben, merci, Eléa. Alors, pour le quiz du mois, nous avons décidé de vous laisser nous en proposer quelques-uns. On a déjà reçu, des super quiz qui nous ont donné plein d'idées d'Australie. Donc, si vous souhaitez nous en donner d'autres, n'hésitez pas. On y répondra. On fait le plein d'idées et on en proposera un pour les vacances avec réponse en septembre. Je pense que c'est tout pour ce soir. Merci énormément, Marine, d'être venue nous parler des petites graines qui font les grandes planètes. On vous rappelle du coup que notre seule publicité, c'est vous. Donc, n'hésitez pas à parler de notre podcast autour de vous si vous aimez ce que nous faisons. Partagez-nous sur vos réseaux sociaux. Mettez-nous des petites étoiles sur iTunes. Parlez de vous à votre grand-mère et que servir la science soit votre joie. Thank you.